Я отправляюсь в бассейн. Я невероятно счастлив быть здесь. Une sorte d'allégorie de la ville de Roubaix. Просто сердце разорвано на кусочки. Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать в это видео, в котором я, Дима Изи Арт, расскажу о том, как исполняется моя мечта. Завтра я отправляюсь в бассейн. Если вы думали, что этот канал превратится в спортивный, то нет, вы ошибаетесь. Наверняка в названии этого видео у вас был спойлер, и вы знаете, что я отправляюсь в один из самых необычных и красивых музеев Франции. Я сейчас покажу, как туда добраться, поэтому устраивайтесь поудобнее и поехали! Ребята, всего 2 часа от Парижа, и мы с вами находимся в великолепнейшем музее бассейн города Рубе. Я невероятно счастлив быть здесь и делить с вами мои с вами впечатления. Почему музей великолепный? Ну, мне кажется, одной лишь архитектуры. И да, то, что вы видите за мной, это вода, уже достаточно для того, чтобы назвать его великолепным, потому что музей находится в оригинальном бассейне эпохи арт-деко. Но помимо восхитительной архитектуры этого музея, здесь есть еще и прекраснейшая, богатейшая коллекция произведений искусства, о которой я предлагаю узнать вам из уст директора этого музея Брюно Годюшона. И, собственно говоря, он вам расскажет все детали и подробности. А мы с вами что сделаем? С удовольствием их посмотрим и воспримем к сведению. Le musée de Roubaix est créé en 1835 avec des collections au départ exclusivement textiles. Puis tout au long du 19e siècle et même au début du 20e siècle, il va évoluer vers une dimension plus complète avec de la peinture et surtout de la sculpture. Il y aura au début du XXe siècle 2 musées à Roubaix, l'ancien musée national et puis un musée monographique consacré à Jean-Joseph Wertz, qui est un artiste né à Roubaix. Le projet de la piscine va se construire au début des années 90 et finalement, dans sa version actuelle, le musée ouvre en 2001. Et en 2018, il est une première fois agrandi pour accueillir les collections qui n'avaient pas trouvé place dans le premier projet. Et le musée accueille environ 300 000 visiteurs par an, ce qui est un chiffre assez important pour un musée en région en France. Le chef-d'œuvre des collections du musée a plusieurs titres. C'est ce buste en marbre de Camille Claudel qui s'appelle la Petite Châtelaine, qui est une œuvre que le musée a acquise en 1995-96 grâce à une souscription publique, ce qui était une première en France pour une sculpture. Il y avait déjà eu des souscriptions publiques pour des peintures, mais jamais pour la sculpture. Il s'agit d'une version ultime et unique, réalisée en 1895 pour un mécène qui, par l'intermédiaire de Bourdelle, demande à Camille Claudel de refaire un exemplaire de la Petite Châtelaine. Alors, cette version date de l'époque de la rupture entre Camille Claudel et Rodin, avec la volonté chez la sculptrice de se singulariser du style de son maître, auquel elle est, à son avis, trop souvent associée. Et elle veut montrer une sorte de talent extrême pour la taille de la pierre, alors que Rodin, lui, délègue souvent la taille de la pierre à des praticiens et pense que le vrai geste du sculpteur, de l'artiste, c'est le modelage. Le modèle reste le même pour la tête et les épaules, mais la différence avec les autres versions, c'est le traitement, comme elle dit, tout à jour de la chevelure, une sorte de coiffure un peu rasta, étrange, et puis ce socle en forme de coussin sur lequel repose le buste, et qui lui donne aussi une sorte de déséquilibre et qui fait regarder le regard vers le haut alors que le regard est plus horizontal, si on veut, dans la version initiale. Le modèle de ce buste est une petite fille que Camille Claudel a fait poser au château de Lillette, d'où le titre de l'œuvre, à côté d'un ciel rideau où elle a passé plusieurs séjours avec Rodin, et notamment un après ce qui paraît avéré aujourd'hui, une interruption de grossesse,
Et elle s'est passionnée pour cette petite fille qui, de ce fait, est devenue, dans son esprit, une sorte d'image absolue de l'enfance. Ce tableau fait vraiment partie des icônes du musée. Il est l'œuvre d'un artiste qui est né en Belgique, à Boucron, juste après la frontière. Donc il faut savoir que Roubaix est à 5 km de la frontière belge. Les parents du petit Rémi Coge arrivent à Roubaix, dans le quartier de l'Épeule, pour ouvrir un commerce. Et lui manifeste très très jeune un talent et un goût pour le dessin. Et il est remarqué par un industriel de la ville alors qu'il est en train de dessiner devant une boutique d'encadrement à partir d'un tableau. Et ce mécène va l'aider à suivre les cours de l'école des beaux-arts à Roubaix et ensuite à Paris. Et il va obtenir le prix de Rome belge. Et donc vivre en 2 ans autour du bassin méditerranéen. Et après ce périple de formation, il revient à Roubaix où il est à la fois le portraitiste de la bourgeoisie locale et également l'auteur de tableaux qui célèbre les particularismes locaux et notamment les éléments de culture populaire qui sont totalement transfrontaliers. Et parmi ces objets de culture populaire, il y a les combats de coqs qui sont très très actifs jusqu'au début du XXe siècle. Le tableau est réalisé en 1889. Il est présenté cette année-là au Salon à Paris, où il connaît à la fois un succès d'estime et un succès de scandale. On est à une époque où le droit de l'animal commence à prendre de la place, et il y a des articles de presse qui disent combien on peut être choqué par cette tradition terrible, hein, puisqu'il y a forcément au moins un des deux coqs qui meurt à la fin du combat. Le dispositif est très immersif. En fait, Coge a réalisé le bord de l'arène comme si finalement il était lui-même un spectateur de l'autre côté du ring. Et il faut se dire qu'en 1889, pour les Roubaisiens, chacun de ces personnages correspondait à un Roubaisien identifiable et que du coup ça devenait une sorte de portrait de la ville. Et donc au-delà de la question de l'anecdote, en fait du sujet du combat de coq, le tableau devient une sorte d'allégorie de la ville de Roubaix. Alors évidemment une ville qui serait que masculine, il n'y a pas une seule femme dans le tableau, ce qui n'est pas tout à fait le cas, même si beaucoup d'ouvriers belges qui arrivent encore à cette période-là, laissent leur famille en Belgique et sont seuls. Mais c'est surtout une représentation d'une société faite d'ouvriers. On reconnaît bien, par exemple, ici, un ouvrier avec son bleu de travail et sa casquette, mais également de grands bourgeois qui sont ici sur le côté. Et vous voyez qu'au milieu du tableau, il y a ce geste très important qui est sorte de deuxième focus, hein, le combat de coq en bas, et c'est cet échange d'argent au milieu qui correspond bien sûr aux jeux d'argent que sont les combats de coq, mais également signifie que tout ce bloc de personnages, c'est finalement chacun à sa mesure, chacun dans son rôle, ce qui fait la richesse de cette ville qui se développe énormément. Donc il y a également cette dimension allégorique très très forte. Le tableau a tellement de succès que les Roubaisiens qui ne sont pas sur le tableau sont vexés et Coge va réaliser beaucoup de fausses études de détail dans lesquelles il fera rentrer d'autres personnages et il aura beaucoup de commandes comme celle-ci. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment le tableau le plus populaire du musée. C'est peut-être pas le chef-d'œuvre en termes d'histoire de l'art, mais en tout cas, il a un écho dans le public qui est formidable, à la fois à cause du thème représenté et puis par cette facture impeccable, quasi photographique, qui montre un vrai talent de peintre naturaliste. Друзья, в залах, которые наполнены столькими произведениями искусства, о которых мы с вами только что поговорили, и спасибо огромное директору этого музея, который нам рассказал все тайны и секреты некоторых из его полотен. Как вы видите, коллекция просто невероятно прекрасная. Не успеваю, наверное, насладиться ей сполна, как хотелось бы, потому что дело-то уже близится к вечеру, а мне еще нужно заснять для вас
выставочное пространство, потому что сейчас здесь проходит выставка русского художника Алексея Явленского. И, собственно говоря, для того, чтобы не пропустить все видео, которые связаны с этой выставкой, поскольку мы с музеем работаем над этим проектом, я предлагаю вам в описании к этому видео посмотреть профиль музея и, собственно говоря, подписаться на него в Инстаграме, ну или на меня, поскольку я всегда делаю репост в свои сторис. И таким образом вы точно не пропустите видео, посвященное Алексею Явленскому. Ну а сейчас я хочу вам показать один из моих просто невероятнейших по-французски coup de cœur, по-русски это просто влюбленность и просто сердце разорванное на кусочки. Почему? Потому что я всегда мечтал сделать это, только посмотрите. И помоги монтажа улицы Ривали с картины в музее бассейна Рубе превращается в улицу Ривали в Париже, на которой я оказался для того, чтобы сделать заключение к этому видео, которое будет немногословным, потому что если вы еще не покупаете билет для того, чтобы отправиться в музей бассейн города Рубе, то я не знаю, что с вами происходит. Кстати, по поводу билетов в Лиль, потому что сначала из Парижа, если вы едете из Парижа, вам нужно добраться до Лиля, обязательно смотрите их заранее, покупайте заблаговременно, и таким образом у вас получится сэкономить, и билеты туда-обратно выйдут вас примерно в 35-40 евро, что, в принципе, абсолютно отлично. Вы приезжаете в Лиль, и мне кажется, это отличная возможность совместить Лиль и Рубе, сделать такой небольшой уикенд и отправиться в нетипичное направление из Парижа, потому что все мы знаем типичные направления, такие как Руан, Этрета или юг Франции. Но если же вы приезжаете на несколько дней в Париж и хотите увидеть что-то необычное, что-то потрясающее, что-то, что видят сами французы и остаются в невероятном восторге, то направление Лиль и плюс Рубе с музеем бассейна, мне кажется, это просто отличный план на ваш уикенд. Тем не менее, если у вас не получается остаться на уикенд, вы сами все видели, добраться до музея бассейна в Рубе вполне себе легко, и я это сделал за один день, но особенно, ребята, напишите мне в комментариях, те, кто живут в Москве или в Петербурге, вы-то точно понимаете, что 2 часа от того момента, когда я закрыл дверь своего дома, до того момента, когда я открыл дверь музея, для вас наверняка 2 часа это ни о чем. Для меня, в принципе, тоже, памятуя о своих русских приключениях в пробках. Я буду очень рад, если вам захочется лично познакомиться с невероятным музеем бассейна города Рубе. Обязательно пишите об этом желании в комментариях. Я буду этому очень рад, если я смотивировал вас на подобного рода приключения. Ну и, в принципе, ставьте этому видео лайки, пишите комментарии, я вас обнимаю и целую, делаю традиционный безу-безу из Пале-Рояль, но тем не менее, только что будучи в музее-бассейне города Рубе. И на этом с вами прощаюсь и остаюсь на связи. До скорых встреч, ребята, пока-пока!